Mes petits admophiles, là je vais vous montrer une des stars du salon. Encore le gros prono. Finalement c'est vraiment eux qui dominent ce salon cette année. Vraiment je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Je vais vous la montrer plus précisément. Il s'agit de cette Alpine Alpenglow. Mais regardez-moi ce design complètement futuriste. C'est aérodynamique. Et l'originalité de ce véhicule, c'est qu'il carbure à l'hydrogène. Et oui les admophiles. Alors attention, elle est électrique, solution peut-être d'aujourd'hui et dans quelques années. Mais j'ai l'impression que le futur de l'électrique se prépare déjà. C'est assez incroyable. Et regardez cette face avant qui va en plus de ça préfigurer la face avant des futurs modèles de la marque. Elle est très basse, très ramassée et puis il y a une espèce d'avant en V. J'aime beaucoup, je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, c'est plutôt validé. Surtout cette partie arrière qui, je trouve, lui donne un air presque de fusée. Regardez-moi d'ici comme c'est magnifique.